Qatar, prix de l'Arc de Triomphe édition 2021, la surprise allemande Torquator Tasso a tracé une ligne droite exceptionnelle pour dominer les champions Tarnawa et Hurricane Lane. Retour sur cette course grâce aux données tracking. Comme chaque année, le départ donne lieu à un round d'observation entre 5 à 6 concurrents. Le rythme varie entre 56 et 58 km/h. Le Godolphin Adayar prend la tête après 800 mètres de course sans forcer. Le peloton n'avance qu'à 54 km/h en début de descente. À 1000 mètres de l'arrivée, le futur lauréat se trouve en 6e position, à 12 mètres du leader, l'écart le plus important de la course. L'intensité monte d'un cran dans la ligne droite d'arrivée avec une vitesse qui passe de 54 à 59 km/h. À 400 mètres du poteau, Torquator Tasso est encore 4e, à 9 mètres d'Adayar. La lutte à 3 est terrible entre Tarnawa, Hurricane Lane et Torquator Tasso. L'Allemand prend l'avantage à 100 mètres. Il est crédité du meilleur partiel 200 mètres arrivé en 12.45 et va garder une petite longueur pour s'offrir un succès de prestige. Tout comme le vainqueur, la ligne droite de Tarnawa est incroyable. Elle se faufile après l'open stretch et gagne 9 places jusqu'à l'arrivée. Flashée à 63 km/h, elle réalise un 400 mètres 200 mètres en 11.76, le meilleur partiel de la course, et reprend 5 mètres sur Torquator Tasso.